D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pack opening. Donc, on a quelques coffres et on a surtout un petit coffre de défi avec 9 victoires. J'ai déjà fait 11 victoires, moi encore. Mais 9, c'est quand même pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Du coup, aussi, j'ai aussi ça. Donc, j'ai aussi le ballon acheté. On va en acheter 2. Hop là. Ça passe directement au niveau 7. Bim. Voilà, 800 d'expérience en plus. C'est cool. Et donc, on va se faire juste les coffres gratuits. Puis après, on va attaquer. Après, on va attaquer 95 d'or. 11 barbares. 2 mousquetaires. Deuxième coffre gratuit. 93 d'or. Un golem de glace. 12 gobelins. Ok. Bon, du coup, on va attaquer. Et puis, on fera les 4 coffres après. Juste après, donc, cette attaque. Alors, c'est parti. Donc, j'ai ballon niveau 7. Hein. Ballon niveau 7. Ça fait... J'ai pas vu combien de dégâts ça faisait. Mais je pense que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Par contre, ça va être chaud pour défendre. Yes. Nickel. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Les barbares ont survécu grâce aux flèches. Ok, c'est chaud, là. Ça va être chaud. On va mettre les petits coups. Non, pas besoin. On n'a pas besoin des petits gobelins. Enfin, j'aurais pu peut-être, ça aurait fait un petit peu de dégâts sur la tour de gauche. Mais là, ça va faire aucun dégât. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Là, on va mettre Jean Ballon avec le ballon niveau 7. J'ai quasiment une épique, enfin, ballon niveau 7, quoi, une épique, qui est presque au niveau du géant, niveau 9. Donc, c'est assez impressionnant. Donc là, on va mettre là, ou quoique. Aïe. Bah du coup je mets ballon, tant pis. Parce que de toute façon là je peux rien faire pour défendre. J'avais pas rien du tout, j'avais juste la princesse. Donc on fait ça. Regardez un petit peu le ballon qui va faire énormément de dégâts. Voilà, la tour va tomber, c'est sûr. Une fois que le ballon a touché la tour, c'est sûr la tour va tomber. Donc pour l'instant on est bien parti. Ok. Plutôt bien parti. On a fait quand même pas mal de dégâts sur la tour du roi. Grâce au ballon. Donc là on va mettre le géant je pense. Ouais on va mettre le géant à droite peut-être. Ou à gauche je sais pas, j'hésite. On va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait. Mais pour l'instant ouais j'hésite. J'hésite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ça joue. Ça. Mince. Oh non ça va marcher. Mon canon n'a pas attiré le chevaucheur de cochon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va arriver à une minute. On va mettre le géant ballon. Si j'ai assez, non j'ai pas assez encore. Hop là. Bon tant pis, on met pas de ballon. Hein. Tant pis, pas de ballon. On met directement les gargouilles. C'est quand même pas mal non plus. Hein. Ouais, ça c'est bien joué par contre. Mais ça devrait le faire. Oh. Un beau zap là. Vraiment un beau petit zap. Qui a détruit mes petits gargouilles. Ok, non, j'ai fait n'importe quoi, ok. Là, on va faire, hop là, j'ai un ballon. Hop là, c'est parti, j'ai un ballon. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Ah, il y a des barbardés, tiens. Il les a pas mis depuis le début. Et là, il a mis les barbardés. Et je crois que j'ai la tour. Ouais, c'est bon. Nickel, donc voilà, bon niveau 7, c'est ça? Et puis niveau 7, vraiment très très puissant comme vous voyez. Vraiment, ouh, un petit coffre magique. Oh yes, ça fait plaisir ça. Petit screen, 26 d'or. Et on va s'ouvrir. Bon, allez, on va s'ouvrir en vidéo. Hein. Tant qu'à faire. Donc vous avez vu en bas niveau 7, vraiment une tuerie. Ça fait 1056 de dégâts. Ouf. Par seconde, 352. Et dégâts mortels, 360. Donc en gros, une fois qu'il touche la tour, il fait au plus bas, il fait quasiment, ouais, il fait plus de 1400 dégâts. Si vraiment il touche la tour juste une seconde, donc c'est quand même énorme. Bon, on va dire quasiment 1500 pour arrondir, donc c'est quand même plutôt énorme. Donc on va se faire le coffre en argent, 86 d'or, une mousquetée, 12 esprits de glace, deuxième coffre en argent, 67 d'or, un sorcier. 12 squelettes. On va se faire le petit coffre 72e, ça coûte cher. Donc 861 d'or.
4 coins de glace, 29 esprits de feu, 7 boules de feu, 64 géants royales, 14 méga gargouilles. Oh, sorcière. Oh, dommage. Je m'attendais. Je sais pas s'il fallait 2 épiques. Je crois qu'il fallait 4 épiques pour avoir une légendaire avant la fin. Et là, j'en ai eu 2. Du coup, bébé dragon, dommage. Vraiment déçu. Vraiment déçu, mais bon. Ça fait quand même plaisir, un petit coffre magique. Donc là, coffre à couronne, puis après, on va faire le coffre de défi. Donc 605 d'or, 3 gemmes, 12 squelettes. 21 joueurs royal, 41 gobelins, ça c'est cool, et 8 guérisons. Bon, j'utilise pas, donc c'est pas non plus très très intéressant. Donc là, il me faut 5 épiques et 53 rares avant la dernière carte pour avoir une légendaire. Donc 11 500 d'or, 2 guérisons, 4 trois bombes, 37 chevaliers, 19 pierres tombales, 2 épiques, prince ténébris. Il m'en faut, je crois qu'il m'en faut beaucoup, 4 je crois, 6, je sais plus. 28 golems de glace. 214 esprits de feu. Il me reste. Là, il me faudrait épique, objet. Épique, objet, épique. Ah, dommage. Ah, c'est vrai qu'on a pas eu les communes. Pas de légendaire. Bah, du coup, 220 gangs de gobelins. Mais j'espère, comme épique, pourquoi pas. Ouais, du ballon. Ce serait cool. C'est parti. 4 poisons. 4 poisons. Vraiment bof, ce pack opening aussi. Dommage. J'aurais bien aimé voir une légendaire dans ce coffre de 9 victoires. C'est quand même pas mal, 9 victoires. J'en fais assez rarement, 9 victoires. Donc au niveau de l'or, c'est pas mal. Et puis après le reste, vraiment pas top. Donc voilà, mon truc, j'espère que ça vous a plu. Ce petit pack opening, aussi ce ballon qui est passé au niveau 7. Et on a eu aussi le petit coffre magique qui est arrivé comme ça en vidéo. Donc ça, c'est plutôt nickel. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. À ciao.